Un oiseau, il est vraiment mal en point. Je lui donne un peu d'eau. Ça ressemble à un martinet, mais bon, les ailes et tout. Je sais pas s'il va faire la journée. Deuxième tentative. Allez, on croit en toi, petit oiseau. Allez, reprends des forces. T'es au frais. Et oui, les amis, vous ne le verrez pas, le martinet. Et il est plus là, au jardin. Parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai réussi mon sauvetage. Ouais! Alors, comment on fait quand on trouve un martinet? Alors déjà, on l'attrape et on le met, pas dans un panier, on le met dans une boîte avec plein de trous. Et on essaye de lui donner déjà un peu à boire, un peu d'eau. Ce que j'ai fait. Alors pour la boîte, je ne savais pas, je remercie Nicole, une voisine, qui s'y connaît assez en martinet et qui nous a donné la marche à suivre. Première chose, il faut essayer de se rapprocher d'un centre de soins. Nous, on a pu, donc elle nous a indiqué le LPO de Villeverac, c'est-à-dire c'est un centre où on récupère toute la faune sauvage. Et ils peuvent aussi bien récupérer, elle a amené un aigle la dernière fois, peut-être pas un aigle, mais un rapace en fait. Bref, il récupère comme ça, il les soigne et ils repartent, ils l'ont même opéré de l'œil, l'autre, bref. Première chose, vous essayez de vous renseigner auprès d'un centre. Deuxième chose, faut savoir un truc hyper égal. Important. Écoutez bien, ça peut servir. Le martinet, les amis, c'est un oiseau qui ne va jamais au sol. Toute sa vie, il le passe dans l'air ou dans son nid. Voilà. Donc, il ne faut jamais le laisser au sol. Il faut essayer de le refaire voler en hauteur pour qu'il puisse reprendre son envol d'assez haut. Ouais, c'est un peu risqué, mais c'est comme ça, le martinet. D'ailleurs, faut savoir, hein, d'ailleurs, c'est toujours Nicole qui nous a raconté la chose, c'est que quand les petits sont bien nourris, qui font dans les 60-65 grammes, les parents les abandonnent, et une fois qu'ils ont perdu un peu de poids, qu'ils ont faim, eh ben, ils sont obligés de se lâcher et de s'envoler. Ouais, c'est une sacrée technique, les parents. Hein. Bon, les gens, faites pas ça, sauf les martinets. Donc, première chose, on le met à l'abri, un peu plus au frais, on essaye de l'hydrater, et on se rapproche d'un centre de soins. Si on peut pas, s'il y en a pas, et que l'oiseau n'est pas en mauvaise santé, on essaie de le nourrir. Alors, soit avec des petits insectes, alors ce qu'ils aiment le plus, c'est les criquets, mais bon, on entend bien des cigales, mais les criquets, c'est un peu compliqué. Hein. Sinon, on peut donner un petit peu de viande, je crois, de bœuf. Ça, après, vous vous renseignez, mais on peut un peu le nourrir. Il faut un peu les forcer, apparemment, à les faire manger. Et puis, on lui propose tout de suite de s'envoler le plus facile, dès qu'on voit qu'il est plus gaillard. Le nôtre n'était pas très gaillard, je vous avoue qu'hier, j'ai vraiment cru qu'il était parti au paradis des oiseaux. Eh ben non, le soir, il rebougeait tout ça. Donc je suis allée voir Nicole et là, nous avons décidé de l'emmener au centre de Villeverac. Bonne nouvelle, c'était dimanche, mais il y avait quelqu'un qui l'a pris en charge directement. Qui l'a trouvé pas trop en mauvaise santé, qui a dit vous inquiétez pas, ça va aller. Il est fatigué, on va le nourrir, on va le requinquer et il va s'envoler. Il demande à peu près à savoir où on l'a trouvé pour pouvoir le ramener le plus près possible. Bon, apparemment, la personne ne savait pas trop où on habitait, mais c'était pas grave. Enfin, voilà. Je tenais vraiment en ce joli dimanche chaud à vous dire qu'on peut sauver les martinets. Et que c'est une bonne nouvelle, il y a d'autres animaux comme ça qu'on peut sauver, alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur, et la nature nous le rendra toujours. Ciao! Et bipi pourra pour le martinet! C'est un oiseau formidable, hein. La petite info du jour aussi, c'est que comme il ne dispose jamais au sol, qu'il fait tout en vol, et ben il peut, en fait, c'est en plus un oiseau migrateur. Il peut vivre 20 ans et parcourir jusqu'à 3 millions de kilomètres et dire, je crois, 3 ou 4 fois la Terre à la Lune, quoi, truc comme ça. Renseignez-vous, vous allez voir, c'est un oiseau incroyable. Allez, cette fois-ci, trêve de blabla, salut. Et vous aussi, sauvez les animaux. Il faut, les gens, maintenant, aujourd'hui, il faut.